suis avec l'imam Sango. Bonsoir, monsieur l'imam. Merci beaucoup. Oui, alors, je suis heureux de vous accueillir avec Stécy YouTube oui. pour que vous puissiez nous donner votre appréciation de deux grandes personnalités du Cameroun. Oui. La première, ce sera le roi des Bamoun. Monsieur Ibrahim Bomondjoya. Et la deuxième, c'est Adamou Ndamdjoya qui est le maire de Fouban. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Ibrahim Bomondjoya d'abord, le roi des Bamoun, qui vient d'être nommé sénateur? Eh bien, ce que j'attends d'Ibrahim Bomondjoya, notre roi sans aucune commune mesure, il est celui dont tous les Bamoun aujourd'hui sont fiers. D'être régi. Aujourd'hui, en tant que roi des Bamoun, je suis son supporter inconditionnel. Et je dis que tout ce qui peut le nuire, et c'est pour ça que je condamne sévèrement Ndamdjoya. Je ne veux pas du tout de Ndamdjoya, absolument pas. Qu'est-ce que vous avez à reprocher à M. Ndamdjoya? Ce que j'ai à reprocher de Ndamdjoya, c'est qu'il ne fait pas. Ndamdjoya fait une politique. Le roi des Bamoun. Oui. Il faut vous le dire. Oui, tout ce qu'il fait comme travail, c'est contre le roi des Bamoun. Je n'en veux pas. Oui, mais il est élu par le peuple. Ouais, non, mais il est élu par le peuple. Ça reste à définir. Ça reste à définir. Oui, mais il a gagné les élections. Non oui, mais les élections qu'il a gagnées, c'est des élections qui sont truquées. Ah, donc vous pensez qu'il a truqué les élections? Oui, 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 oui. Mais comment pouvez-vous expliquer qu'au Cameroun, un parti d'opposition puisse réussir à truquer les élections? Le Cameroun est un pays formidable, qui n'a rien à voir oui. avec les manipulations. Mais Ndamdjoya seul est une autre qu'il faut dégager. Oui. Tout le royaume Bamoun appartient au roi, et c'est le roi qui doit diriger. Oui, mais le roi n'est pas élu par le peuple. Le roi n'est pas élu par le peuple, mais c'est quelqu'un qui travaille pour le bien, non, c'est quelqu'un qui travaille pour le bien du Cameroun. Oui. Il a une vision, il a une vision complètement grande, et nous sommes très heureux d'être aujourd'hui des sujets du roi des Bamoun. D'accord. Donc... Le roi des Bamoun ne peut être que notre roi, en dehors de lui, plus rien d'autre. Oui, mais alors, une question quand même. Le Cameroun, c'est une république. Oui. Est-ce que vous voulez que le Cameroun devienne une monarchie? Non. Le Cameroun ne deviendra pas une monarchie. Oui. Le Cameroun, c'est une république démocratique. Et cette démocratie insufflée par notre président est celui pour lequel tout le peuple camerounais devrait y aller. Je dois vous dire une chose, je suis né à Yaoundé et j'ai vécu à Yaoundé, j'ai grandi à Yaoundé, donc je connais tous ces problèmes. Le problème de la politique camerounaise est un problème qui me rentre directement dans mon cœur. Je dis bravo au président de la République, je dis bravo au roi des Bamoun. D'accord, donc vous êtes fier de la nomination de M. Bomondjoya comme sénateur? Je suis très fier de la nomination. Est-ce que vous espérez qu'il sera nommé peut-être président du Sénat? Ça, je l'espère beaucoup. Je l'espère beaucoup. Car président du Sénat, il travaillera pour un Cameroun heureux, un Cameroun bien. Ok, monsieur l'imam Sango, oui. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Je suis très